Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai pas beaucoup de temps, je vais vous faire une vidéo très courte, mais qui va être fabuleuse. Alors, fabuleuse pourquoi et grâce à qui? Grâce à Sylvia. Sylvia m'a envoyé un petit message, enfin, disons qu'elle m'a téléphoné, mais j'étais absente, et elle m'a envoyé un message en me disant: Amandine, Amandine, à Noz, tu trouveras plein de merveilleuses choses sur Gorgeuse. Oui, sur notre petite Gorgeuse. Donc, eh ben, j'ai pris un petit moment pour y aller et j'y suis allée et je vais vous faire voir donc tous mes achats. Vous allez voir. Donc, on va passer sur la table de travail parce que y en a beaucoup. J'ai vraiment craqué. Honnêtement, j'ai fait des folies parce que bon, c'est quand même, c'est Noz, oui, mais c'est quand même pas donné. Hein. Voilà, je vais vous dire tous les prix, mais bon, si vous voulez vous faire plaisir, tout cet été, on a fait plaisir à nos enfants. Donc, je pense que là, on peut se faire un petit plaisir à nous. Enfin bon, c'est mon avis, hein. C'est à vous de voir. Donc, je vais vous faire voir tout ça. Et puis, en même temps, donc, il y aura les prix. Alors, on va regarder donc tout ça. Je vais mettre mes petites lunettes. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé ces petites boîtes qui sont vraiment adorables. C'est un genre petite valise. Voilà. Alors, elles sont mignonnes comme tout parce que, regardez, quand on les ouvre, voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Voilà la petite valise. Alors, je vais vous dire combien elle mesure. Alors, cette petite valise, elle mesure donc 8 cm sur 6 cm. Voilà. Donc, voilà. Elle s'ouvre comme ça. Voilà, après, il faut enlever l'étiquette. Hein. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, vous avez une petite boîte comme ça. Vous en avez quatre sortes. Hein. Moi, j'ai pris que ces deux-là. Et ces boîtes, elles coûtent 1,75 €. 1,75 €. Vous avez celle-ci en forme de cœur. Voilà. Et quand on l'ouvre, regardez à l'intérieur. Voilà, et celle-ci, derrière, il faut que j'enlève l'étiquette. Celle-ci de large, elle fait, pardon, 7 cm. Alors, moi, je les ai pris parce que j'ai fait l'acquisition de petites pinces. Je fais beaucoup de couture, donc de petites pinces pour les coutures, pour la couture. Donc voilà, je le mettrai dedans. Donc voilà les deux petites boîtes qui font 1,75 € pièce. Voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé du scotch coloré, comme ils disent. C'est du washi. Hein. Il y en a 3 mètres. Alors attendez, il y en a 3 rouleaux et qui font 5 mètres. 5 mètres chacun, ne serait-ce que la petite boîte, regardez comme c'est joli. Et je les ai payés chaque boîte 2,20 €. Vous voyez, c'est pas donné quand même, hein? Voilà, 2,20 €. On va peut-être enlever, vous les voyez mieux. Il y est en rose et il y est en bleu. Il y avait d'autres couleurs, mais il y avait bleu marine, mais bon, moi, je n'ai pas pris parce qu'on ne peut pas tout prendre. Donc, 2,20 € la boîte. Ensuite, j'ai craqué pour ça. Je me demandais ce que c'était. En fait, c'est vrai, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça paraissait bizarre. Je vais vous l'ouvrir. Voilà, en fait, c'est une gomme.
une grosse gomme. Et la grosse gomme, elle fait en longueur 11 cm sur 4 cm. Voilà. Et elle coûte 1,99 €. Hein? Voilà, 1,99 €. Ensuite, j'en ai pris deux sortes parce que bon, je sais à qui je vais l'offrir. Ma fille était intéressée. On va dire des petits porte-monnaie, des petits voilà. Alors vous avez le plus petit qui fait 15 cm sur on va dire 9,5 €, hein, avec une petite fermeture éclair. Voilà. Alors vous avez le devant et vous avez le derrière. Et vous avez l'intérieur. Voilà, c'est vraiment un porte-monnaie avec une petite fermeture éclair. Voilà. Alors, vous avez celui-ci qui est plus petit. Et après, vous avez le plus grand. Alors, le plus grand, il fait 19 cm sur 10 et demi. Alors, là, c'est le devant. Et là, c'est le derrière. Alors, vous avez la petite fermeture éclair avec ici un petit cœur. Et vous avez une petite anse pour le porter. Alors, je vous dirai les prix après, hein, de tous les deux. Donc, vous avez la fermeture éclair et vous avez pareil à l'intérieur qui est bordeaux avec la petite fermeture éclair. Voilà. Voilà. Alors, le petit, il coûte 11,99 €. Et le grand, il coûte 11,99 €. Les deux sont au même prix. Voilà. Vous voyez la différence? Voilà. Après, ça dépend de l'utilité qu'on en a, hein? Voilà. Alors, ensuite, ben, j'ai craqué, hein? On va continuer. J'ai craqué pour ce petit carnet. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Ce petit carnet, je l'ai quand même payé 3,99 €. Je ne vous le mets pas dans le bon sens. Voilà, 3,99 €. Alors, voilà, on va l'ouvrir ensemble. Alors, il y en avait pas mal, hein, de différentes couleurs. Moi, j'ai pris celui-ci parce que moi, j'aime le bordeaux, le violet. Alors, vous avez une couverture plastique dessus. Et voilà l'intérieur qui est très joli, j'aime beaucoup. Et après, vous avez. Voilà. En fait, ça vous protège votre carnet. Voilà. Alors, le carnet, il fait comme dimension de largeur, il fait 14,5 de largeur et de hauteur, il fait 17,5. Voilà. Et là, il est pailleté. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, très joli petit carnet, adorable, vraiment. J'ai craqué malgré le prix quand même. Alors, après, j'ai pris, ils appellent ça, je ne sais plus comment. Moi, j'appellerais ça un petit classeur. Un petit classeur de bureau. Alors, je l'ai payé le prix 5,99 €. Alors, pareil, il y en avait beaucoup.
de toutes les couleurs. Moi, j'ai pris cette couleur toujours parce que j'aime le violet et le... Voilà, alors, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, il est magnifique. Alors, on va l'ouvrir ici. Regardez voir. C'est solide. Hein? Voilà. Voilà. Avec des petits compartiments, vous en avez un. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 compartiments qui est fermé par une petite attache ici, un élastique. Hein. Voilà. Et mon dessin, c'est celui-ci. Et le même derrière. Et le fond. Alors, je vais vous donner les dimensions. Alors, la hauteur, il fait 24 cm. Ben, on doit pouvoir mettre des feuilles. Hein, 24 sur, regardez, 30. 30. 33. Voilà, c'est peut-être marqué. Alors, attendez que je vous dise tout. Hop, hop, hop. Ça s'appelle un trieur à souffler. Non, et ils mettent pas la dimension. Bon, ils mettent pas la dimension, mais moi, je vous dis que c'est donc 33 sur, combien j'ai dit, vous en rappelez, vous, 24. Hein? Voilà. Donc, il n'y a pas de rabat, c'est juste fermé ici avec un petit, voilà, une petite... un petit rond en plastique ici, voilà, c'est plastifié, ouais. Et un petit élastique qui passe ici, voilà. Et ceci, vous y en avez beaucoup, coûte 5,99 €, hein, voilà. Alors ensuite, on va passer aux choses un petit peu plus importantes. Il y avait un sac, un petit sac pour offrir en cadeau. Alors, hop, voilà, on va l'ouvrir, c'est ça, voilà, un petit sac, je ne sais pas si vous le voyez bien, un petit sac, voilà, et de l'autre côté, voilà, c'est le même, hein. Alors, ce petit sac, il fait 1,99 €, voilà, et là, on doit pouvoir mettre pas mal de choses à l'intérieur, il fait 26 cm sur... Allez, pareil, 30 sur 33 cm. Voilà. Les côtés. Voilà. Les deux côtés. Voilà. Et l'intérieur. Voilà. Donc, pour un petit sac cadeau, on va dire. Et il fait 1,99 €. Hein? Voilà. Avec une petite anse en cordelette violette. Hein? Voilà. Alors, après, vous voyez, ça va déborder ici. Alors, après, j'ai pris un autre petit sac. Je ne sais pas pourquoi je dis petit, parce que bon, il n'est pas si petit que ça. Un autre petit sac. Mais alors, celui-ci, il est en toile. En toile, on va dire, qui est enduite. Hein? Voilà. Une toile. Voilà, je l'ai pris bleu. Il y a des soufflets sur le côté. Alors, toujours pareil, je vais vous donner les dimensions. Il fait 25,5 sur, on va regarder, hop, alors 25,5 sur 35. Vous avez de jolies anses, voilà, qui sont assez grandes. Vous avez un joli petit pendentif. Alors, le prix est de 8,50 €. Voilà.
8,50 €. Voilà. Et au fond, il y a également un petit soufflet. Ça fait un joli petit sac quand on va quelque part pour prendre. Et vous avez la fermeture ici, se fait par un velcro. Voilà. Et voilà l'intérieur. Avec une petite poche, vous voyez, à l'intérieur. Hein? Voilà. Il y a même des petits sachets anti-humidité. Voilà, donc, hop, j'ai pris ça. Alors, après, ben, ça se termine. Hein. J'ai craqué pour ce petit vanity que j'ai trouvé vraiment, vraiment adorable. Voilà le petit vanity. Tout simplement avec deux fermetures, enfin une fermeture éclair qui est double, hein, à double ouverture, avec des petits pendants en cœur. Alors, il nous fait ce petit vanity en gros, hein, parce que voilà, en gros, il fait 24,5 de largeur. De hauteur, il fait 20,5 et d'épaisseur, parce que c'est important. D'épaisseur, il fait, allez, on va dire 8 cm. Alors, vous avez une fermeture que d'un côté. Vous avez de ce côté, de l'autre côté, il n'est pas ouvert. D'accord? Alors, on va l'ouvrir. Alors, la fermeture est claire. Elle est double, c'est-à-dire que, voilà, on ouvre ici et vous avez l'autre qui vient là. Alors, on va l'ouvrir, on va regarder ensemble. Voilà. Voilà l'intérieur. Alors, il y a encore le petit carton, on va l'enlever. Il est magnifique, l'intérieur est vraiment très 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 joli, avec une petite pochette ici. Regardez ça, c'est splendide. Honnêtement, c'est vraiment magnifique, hein. Franchement. Et après, vous avez le bas. Voilà, c'est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ce contraste du foncé à l'extérieur et cette couleur à l'intérieur qui est vive et qui est chatoyante, vraiment c'est magnifique. J'aime beaucoup. Voilà, et on peut laisser, vous voyez, les fermetures éclair ici, comme ça. Voilà, on les met. Voilà, comme ça. Et vous avez une petite poignée pour le tenir. Voilà. Donc, 9,99 €. Hein, c'est quand même là, par contre, vous voyez, je pense que c'est une belle affaire, à mon avis. Après, voilà. Hein. Et pour terminer, parce que ben faut terminer quand même, hein, parce que je peux vous dire que... Ah non, non, c'est pas encore terminé, il y a encore autre chose. Alors, celui-là, alors j'ai craqué pour celui-là, parce que on risque de partir en vacances, je sais pas, mais bon. Et en fait, pour mettre mes petites affaires de scrap, j'ai trouvé ce petit sac. Et alors, il est vraiment... il fait un peu cabas, on va dire. Hein. C'est un peu cabas. Alors, l'avantage de ce sac, c'est que, en fait, vous avez deux poches, ici, latérales, avec des fermetures éclair. Alors, fermeture éclair, toujours avec un petit cœur, ici. Je ne sais pas si on le voit. Hop, hop, hop. Voilà. Le petit cœur, ici. Donc, fermeture éclair. Et une poche ici qui est fermée par un petit bouton, comment on appelle ça, magnétique.
Voyez, on pousse simplement une pression aimantée. Une pression aimantée. Voilà. Après, vous avez l'intérieur. Alors, l'intérieur, vous avez je vous fais voir, voilà. Vous avez une petite poche ici. Et vous avez encore une autre poche. Voilà, je l'ouvre. Vous avez encore une autre poche qui est zippée ici, qui est fermée par une fermeture éclair. Voilà. Ah, il est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un sac que l'on va se servir pour facilement pour transporter pas mal de choses parce qu'il a une grande capacité. Vous avez des hanches qui sont très très solides. Voilà. Je vous le mets comme ça. Vraiment très très bien. Alors je vous donne la largeur. Je vais vous donner la largeur de la façade. Alors, en gros, hein, en gros, il fait. Alors, en gros, il fait 38 cm. À savoir que vous avez des soufflets qui font 9 cm de chaque côté. Donc, vous avez deux côtés qui font 9 cm. Vous voyez? Et en hauteur, il fait 28 cm. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Avec des petites poches ici. Petites poches avec soufflet. Hein, donc, on peut mettre pas mal de choses. Hein. Ce n'est pas des poches plaquées. Voilà. Non, franchement, celui-là était bien. Oh, je ne sais pas si je vous ai dit le prix. Alors, le prix. À mon avis, je pense que ça vaut le coup. Mais bon, après, la liste, les filles, vous me direz. Je l'ai payé 13,99 €. C'est ça, hein? Oui, 13,99 €. Voilà. Je pense que c'est là, franchement, c'est une belle affaire, une belle acquisition. Ah, je suis vraiment, vraiment contente. Voilà. Donc voilà, et le dernier, alors le dernier, la cerise sur le gâteau, hop, voilà, ce sont trois petites boîtes qui se rentrent les unes dans les autres. Alors, le lot, il est scellé, vous voyez, on va l'ouvrir, hein, vous inquiétez pas, je l'ai payé 15,50 €, voilà. Et il y a un pack de 3. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Hop, hop, hop. Ah, je découvre avec vous. Hein. Je n'ai pas vu du tout. Un grand, grand merci à Sylvia encore. Merci Sylvia de m'avoir prévenue. Parce que comme je ne suis pas souvent là... On bouge beaucoup, on travaille beaucoup, donc alors voilà. Alors c'est en carton. Voilà, c'est très joli. La finition est vraiment magnifique. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je regrette pas, hein, vous voyez. Les filles, allez-y si vous voulez, il y en a encore. Hein. Alors voilà, donc on l'ouvre, je l'ouvre avec vous. Hein. Et il y en a une autre. Une autre, mais qui a changé de couleur. Qui est ma couleur préférée. Alors, l'intérieur, je vous fais voir. Alors, je vais vous dire les dimensions, pardon. Alors, les dimensions de la boîte, elle fait 29 cm ici. 29 cm et en profondeur là, sans compter les arrondis, en profondeur, en largeur, ou en largeur on va dire, elle fait 20 cm, d'accord? Et en épaisseur, elle fait 9 cm. Voilà, et voici l'intérieur. Voilà. Alors, donc, voilà, on va la mettre là.
rien à mettre là. Donc à l'intérieur, il y avait celle-ci. Alors celle-ci qui est toute jolie. Là, le bord de celle-ci, elle était avec des petites raies. Et celle-ci, regardez, elle a des petites fleurs. Regardez comme c'est joli. Pareil, la même finition magnifique. Très, très belle finition. Alors, je vais vous donner les dimensions. Donc, en largeur, elle fait 25 cm. En hauteur, on va dire, elle fait 17,5 et en épaisseur, elle fait 8. Alors, on va l'ouvrir. Je l'ouvre avec vous. Moi, je n'ai pas vu. Donc, on l'ouvre. Et il y en a encore une autre à l'intérieur. Une autre qui est plus petite. Et je vous fais voir l'intérieur. C'est une tuerie, les filles. Hein. C'est vous qui voyez, hein, mais regardez, 3 pour 15 euros. Mais bon, alors la petite toune, elle fait, hop, 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 si je la prends à l'envers, c'est sûr que je ne vais pas y arriver. Alors, elle fait 20 cm sur 14,5 et en épaisseur, elle fait, hop, 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 8 cm. Alors, pareil, même belle définition. Pareil. Ici, vous avez le petit bord qui est rayé. Le devant. Et le dos. Et on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Regardez comme c'est joli. Ah, c'est vraiment splendide. Moi, perso, je craque, je craque, je craque. Ah, franchement, je... Waouh. Voilà. Voilà les trois boîtes. Les trois boîtes pour 15,50 €. Alors, c'est sûr, ça fait quand même une somme. Hein. Là, je reconnais que j'ai dépensé le budget au moins de 6 mois. Mais vraiment, j'ai trop craqué. Bon, ben voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté à Noz. Ça fait peut-être pas une grosse quantité, mais quand même, c'est des articles qui sont... voilà, j'ai fait une sélection. À vous de voir hein, ce qui vous intéresse. Ce qui m'a intéressé à moi ne peut ne pas vous intéresser à vous. Hein, donc, c'est normal. Hein. Moi, j'en ai pris parce que je sais que ma fille adore et puis je ferai des petits cadeaux. Ici, les petites valisettes, je ferai sûrement des albums que je vais insérer dedans. Donc, après, c'est à vous de voir, de faire votre choix. Mais je pense que, comment dirais-je, ces articles-là sont arrivés dans le bas de la France. Ils étaient déjà arrivés du côté de la région parisienne. Et maintenant, ils sont arrivés chez nous, dans le sud, on va dire. Hein. Voilà. Donc, s'il y a un article qui vous a plu ou si vous êtes curieuse, eh bien, foncez à Noz et après, vous faites votre choix. Ça peut être un carnet, ça peut être une petite boîte, ça peut être, voilà, ce qui vous intéresse. Et il y a des articles quand même qui sont pas trop, trop chers. S'il n'y a pas un gros, gros budget, si vous n'avez pas un gros budget. Et à vous de voir. Voilà, c'était une information qu'on m'a donnée Sylvia, qui habite à Capestan et qui est une fidèle abonnée que je remercie beaucoup parmi les autres, bien sûr. Voilà, ben, je vous laisse. J'ai été assez bavarde et j'étais très, très contente de vous faire partager ces petits achats. Vraiment... j'ai vraiment ultra craqué. Bon. Faire attention.
Voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous n'êtes pas en vacances, si vous avez fini vos vacances, eh bien, reprenez doucement. Si vous allez partir en vacances, super. Moi, j'espère que je vais partir, j'espère partir, pardon, en vacances d'ici une semaine. Yeah, super. Il me tarde parce que je suis fatiguée. J'ai pas été trop sur vos tutos, les filles. Pardon, pardon, excusez-moi. Mille pardons, j'ai pas été très présente, donc voilà, je vais essayer de me rattraper. Je vous dis au revoir, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, vous likez. Si vous n'avez pas aimé, ben, vous mettez un pouce en bas. Ça sert à rien, mais bon, c'est pas grave. Et ceux qui sont pas abonnés, ben, vous pouvez vous abonner. Voilà, ça me fera plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Au revoir. Bisous.